Salut tout le monde, c'est Kenob, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MTG Shipper. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de faire sonner la petite cloche pour vous abonner. Salut tout le monde, voilà, je vous présente aujourd'hui le deck Miri Duelist. Bien que ce jeu soit basé en grande partie sur la stratégie de son général Miri, il peut aussi être joué en deck agressif token. Lorsque Miri, duelliste de la Killion, est sur le champ de bataille, elle vous confère un passage assuré pour tout ce qui est attaquant, ainsi qu'une bonne défense si elle est toujours là après l'attaque. Il s'agit donc de bien la protéger avec par exemple des cartes comme l'escorte intrépide, la cape de frémoisie ou encore le bouclier de la gouve. Ou attirer l'attention des créatures adverses avec le Taunting Elf. Pour ce qui est des créatures qui accompagnent Miri lors des charges, on va opter pour des créatures qui génèrent d'autres créatures afin de grossir les rangs assez vite. Dans cette optique, Hero of Blade Hall, Nalkol le Warpride ou encore Lena la championne des vouées seront très intéressants à jouer. Des créatures qu'on buffera avec Beastmaster Ascension, Mirror Entity ou encore Elder Laurels. Les tokens popant directement attaquants profiteront eux du Primal Force Mage, dès le moment où ils apparaîtront sur le champ de bataille. En cas de danger, on protégera tout le monde avec Wrap of Vigor ou Asceticism. Pour ce qui est des menaces adverses, on pourra les gérer avec Quasali Slinger, Évocation de l'Existence ou encore Aura Shard. Enfin, il ne nous restera plus qu'à kill avec un petit triomphe de la Horde si l'adversaire n'a pas encore succombé à nos assauts dévastateurs. En ce qui concerne la mana base, on va disposer de quelques accélérateurs de mana comme les Kyrian Elf, Sol Ring ou encore le Pèlerin d'Avacine. Et du côté terrain, on continue de popper des créatures avec Vitu Shadzi, le Steering Wheelwood ou encore le Nantoko Monastery. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Next!